on a été hier soir à Rabat par l'intermédiaire de notre tour, on a été mis dans un restaurant, où après il y avait des danses folkloriques avec l'imitation de. Mais ça n'a rien à voir. Hein. من تمتع يا رحم يا
Elle est fermée à 16h. À l'entrée. Je sais pas, j'ai pas fait attention si toutes les tables étaient fermées, si elle était beau. Ça valait le coup. Oui, c'est pas du folklore, c'est pas un éclatouriste. Il y avait une escouade avec ce soir en Il n'y a rien à voir. Il y a abondance. Qui à droite de vous, à l'intérieur, il y a l'ascenseur du Mont Témoisil. Donc, tu fasses l'appel au fidèle du haut du minaret. Et les portes qui sont ici, elles sont faites avec le moucharabi. Vous connaissez le moucharabi, non? Oui. Il y a des personnes qui ne connaissent pas. Le moucharabi, c'est un nom turc. Par contre, c'est un saké purement arabe. Il est fameux, parce que dans toutes les vieilles maisons et les vieux palais arabes, ils mettaient toujours ce dessin-là, tout autour des chambres des femmes, et aussi dans les fenêtres. Mais ils le mettaient surtout tout autour des chambres des femmes, pour que lorsqu'ils venaient les inviter, surtout les hommes, ils ne sont pas chez eux. Alors, ils ne pouvaient pas s'approcher comme ça. Donc ils ne pouvaient pas distinguer les femmes. Les femmes, par contre, elles sont chez elles. Il faut rappeler
noir sans être crevé. Maintenant, c'est longtemps qu'on ne fait plus le moucharabé dans les maisons, mais on le trouve dans les meubles, des petites tables, des petites chaises. Mais dans tous les pays arabes, on se connaissait bien du bien. On remarque qu'il y a des enfants, on crame le ciselé un peu avec leurs mains et leurs pieds, avec des cordes. Ils font le tour. Et c'est comme ça qu'on travaille le moucharabé. Il y a des personnes qui sont déjà parties à Marrakech. Ils nous ont donné des petites pièces de moucharabé comme celui-là. Si vous prenez une masseuse, c'est mieux. Vous allez vous allonger, elle va venir, elle va vous rincer, vous frotter, elle vous fera du savon, du shampoing, et avec des seaux remplis de l'eau chaude, dans cette salle, il y a plein de robinets, avec ces seaux, elle va vous renverser de l'eau. Ça devient très très propre. D'ailleurs, on change même de couleur, et en même temps, on est très 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 relaxé. Le hammam, les ancêtres, ils ont fait qu'un bon enfant, il n'est pas les bouchons de la maison. Il en fait parce qu'il fonctionne avec. Maintenant, nous sommes les bouchons de la maison. On les fait avec un grand plaisir, une fois par semaine, une fois 15 de jour. On y va surtout le soir avec un ami et un copain pour oublier un petit peu le stress du travail et de l'école. Et après, on retourne à la maison pour dormir. Voilà, c'est ça la vie. C'est très relaxant, c'est une belle expérience. Avec une piscine, on viendra ici seulement pour se relaxer, pas pour se laver. Et la piscine, elle est profonde de 1,50 m. Ah ouais, on a l'impression du contraire, mais c'est un effet optique qu'elle donne le dessin. La piscine, elle va faire comme ça, comme une pyramide en haut. Ouais, c'est dingue, hein. On a juste traversé pour venir vous chercher, on n'a pas réhabilité. Et lui, on faisait un tour de ville, si j'ai pas remarqué, on faisait un tour de ville. Regarde. Ça fait 3 ans que ça existe.
Là, ça donne une petite impression d'aéroport. Hein.